les prochains, il n'y aura pas d'abomination. Donc, on va dire que tu es un hôte acceptable. Je suis pas goat déjà, donc non, c'est mal mais parti. on va dire que tu es pas. Enfin, un Un autre. camarade, Voilà. acceptable. Qu'est-ce que des warps? Bah, en général, c'est vrai que tu tues ton ennemi rapidement avec un sniper. Tu l'exécutes. Hop, c'est idem. Oui, moi non plus, j'aime pas. Pas avec le personnage. C'est pas tant la map qui me fait chier. Et l'ennemi est donc les guettes. Les guettes ne sont pas la vraie menace. Eh ben si, du con. Attends, j'arrive pas à une munition pendant le combat. Là. Oh, pick-up, il rush. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'être avec au corps à corps de l'ennemi là pour l'instant. Ah, voilà. Zitig en cramant l'ennemi. Ouais, mais ça y est, maintenant l'occasion vient. Putain, c'est bourrin ton arme. Arrête. Bah... Baisse la puissance de ton arme. Fuga Hurricane. Fuga Hurricane, c'est... pire, bien pire. Je l'ai aussi. Au niveau c'est même totalement anti-jeu. Ouais, l'hurricane sur un soldat turien, c'est là. Dire, c'est un peu comme. Oh, et allez, un kit de survie post-mortem, mais toutes les putains de fois, quoi. C'est insupportable. C'est même pas comment il peut me toucher, le mec, mais bon. C'est un chasseur-guette, de toute façon. Tu sais, j'étais en mode, y a un silence rocket gate sur mon flanc. M'en fous. Oh putain, y a un chasseur, vite faut faire un truc. Ben non. Tiens, bâtard. Ah. Non. Bien joué. Bon, Turian c'est... Marksman says no. Fous des cibles un peu pour voir qu'on se marre. Arrive. Aussi il te dit. Ouh, il est là-bas. Oh, c'était un missile de qualité, ça. Il était en plein sur l'ennemi, il a pas touché. Hop. Comment ça se fait, putain de sa race. Bon, alors, ça c'est quoi, ça. Ouais, l'enregistrement, il va aller se faire foutre, la partie me gave déjà. Oh putain, encore un barré. Oh, ah, toi aussi, t'as un peu les marais. C'est définitivement pas mon soir. Enfin, c'est missile de qualité, quoi. On a toutes les cibles là ou pas? Non. Ah, fais pas chier, chasse-les, putain. Non, tu ne m'as pas vu, lâche-moi. Cours, Forest, cours. Pourquoi il ne tire que sur moi, quoi, seriously, à go. Oula. Oui, c'est bon. Ah, tu jures cette partie, quoi. Allez, viens là. Allez, viens. Approche. Prends tes... Alors...
Bah. L'autre, le pick-up. Cette génération de pick-up qui pense que sniper égale campouse. Comprendrait jamais. À part le sock de guette, enfin, bah, ouais, ça semble logique quelque part. Hein. Oui, mais ça. En l'occurrence, ça n'est pas. Comme tu dis. Vogel. Je voilà. Comprendrai jamais. Bah, je comprendrai jamais qu'ils se rendent pas compte que. Ça marche mal, voire pas bien du tout. Quoi. Ah, que 4 ennemis. Allez. Oh, t'as fait, t'as fait. Non, mais va te faire foutre, kit post-mortem, quoi. Rien à foutre que la vidéo soit enregistrée ou pas, je vais finir par racheter. De guette de merde. Ah mais c'est couillon. Fallait que je tombe contre eux avec un perso qui a pas d'esquive. Génial. Tiens, allez hop, allez vous faire foutre. Comme putain, c'est tout que je me fais attaquer là. Vous êtes crash connecté. Mais du coup, je pense à un truc. Tu peux réceptionner. Est maintenant la bourreau, vu qu'elle a un coup perforant tous les 7, elle est considérée comme perforante de base ou pas? Putain. Dimitri. Dimitri, tu... Ah oui. Tu peux essayer de prendre du coup. Parce que potentiellement, elle posséderait les mêmes propriétés que le javelot et les veuves. Bon, ça m'étonnerait beaucoup, mais... Et ça, c'est... Oh merde. On va mettre le colis. Ouais, perds pas de temps parce que là. Ouais, mais pour avoir le maximum de blé, c'est 3030, je crois. Ça. Eager easy, bonus. Derrière nous. Ah, c'est chiant. Oui, bah, le chasseur. Ah, j'en ai plus l'air. Je m'occupais d'un flammeur qui montait. Et t'as eu un chasseur qui descendait. Putain, mais c'est stun de merde, sérieux, quoi. Une roquette dans la gueule, ça me stagger. Garus, il en prend une tous les matins au petit dev, une roquette dans la gueule. C'est pas ça qui l'a arrêté. Heureusement qu'ils sont morts, on est une équipe d'élite ou on n'est pas une équipe d'élite? Enemy force approaching.
Merci de m'avoir indiqué la direction, pick-up. Désolé. Hop. Pas grave, stun. Ça va escape. Putain, mais j'étais pas loin en fait quand je disais qu'il y avait DDE Simulator, mais Bah oui. Il y a construction simulator. Il y a construction simulator de l'unique. Oui. Pourquoi tu construis des trucs? Ça existe vraiment. Dans construction simulator. Putain, mais aujourd'hui c'est. DDE Simulator, comme ça. C'est sûr que le titre, ils auraient pu choisir mieux, quoi. Au fait, t'as vu le message que je t'ai envoyé ou pas? Ils auraient pu mettre. Oui, non. DDE Simulator. Bah, je t'ai indiqué le nom de la ville. Tout ça. Dans ton cul. Merci. De rien. Alors. La fente de loi. Qu'est-ce que tu leur fais à ces pauvres rois? Ouais, c'est la ville qui s'appelle comme ça. Ok, merci. Je note ça. Directement tiens, au sud de Novigrad. Directement au sud de Novigrad. Côté du... À côté de la ils sont dans le local. Connecté sud de Novigrad. Et à côté, rond-point deuxième à droite jusqu'à sur la D80-1600. Je continue pendant 3 km. Là, je prends là, il y a une petite fourchette, un rond-point. À la prochaine intersection, tournez à droite. Okay. Non, à droite, l'autre à droite. Et là, il y a un marchand qui vend des cartes. Wow, que j'ai pas vu. Wow. Et de... bah, c'est l'auberge. Aïe, arrêtez ça. J'ai assez souffert comme ça. Aïe! Aïe! Y'a plus personne. Hey, toi là-bas, viens ici. C'est quoi qui fait des dégâts de feu chez toi, Dimitri? Non, mais... c'est les grenades qui font détonner ça. C'est ça que je voulais savoir. Et ben, on va rester ensemble. Enfin, tu vois le prime? Hop. Et encore. Oh. Et c'est moi qui... Non, c'est pas moi. Pas moi non plus. Pas moi. Dragonfly, maintenant, il loot un œuf de lave. Oui, dans le Together, ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Bah, moi non plus. Les tornades sont moins dangereuses. Mais j'ai vu la patch, oh bah t'inquiète pas. Merci. Putain de pick-up, quoi. Alors, résultat, il spawn près de l'objectif. Merci, hein. Obligé d'en remettre une couche. Sinon ils spawnent au fond. Bah j'ai dû remissiler parce que Pikachu les avait gracieusement ramenés sur l'objectif avec son missile de génie. Ah les oiseaux dans les cages pouvaient mourir, putain j'ai jamais réussi à me faire crever. Et je pense que nous avec sur notre partie avec Nax et Dulio, ils ont crevé justement. Enfin s'ils ont disparu. Voilà. On avait une cage, il y avait un oiseau dedans, et puis un beau jour, il n'y avait plus d'oiseau. Oh le voleur. Ah ben, il est mort. Oh le voleur. Mais par contre, depuis Reign of Giants, il meurt bien dans les cages. Bah, je pense, ouais. C'est le depuis Reign of Giants. Que... J'ai jamais remarqué, en fait. J'ai vraiment pas de peau, moi. Bah, moi non plus. Jamais réussi. Enfin, moi, j'ai jamais fait d'oiseau, donc... Ouais, y'a plus rien, Ils apparaissent dans les bureaux. Dans le gabo. Boum. Ah,
putain, le Prime qui me fait un reload cancel de fou furieux. Ouais, on dirait. J'ai un contact avec ce Prime. Je suis lent maintenant. En mode insane, tu fais des primes qui tirent en continu. Ça a déjà été fait en fait. Et alors c'est insupportable? Non, parce qu'ils font moins de dégâts, mais... De toute façon, un primé est insupportable, donc... 37 secondes. C'est qui est isolé là-bas? Pick-up oui, on dirait. Vite fait. Là je me relève. 19 secondes. Le pick-up. Oh putain. Oh frère. Merci pour la couverture. Bon bah voilà. Ils ont pris cher. Comme quoi, même si c'est vrai qu'il y avait sujet à râler, elle était plutôt pratique cette game. Putain, les scores.